Eh bien, puisqu'il essaie de contrer cette polarisation, le vecteur P il est dirigé comme ça. Automatiquement, le EP, il doit être comme ça. Il faut absolument que EP, que cette flèche, soit plus petite que ce E0. Si vous ne faites pas cela, eh bien, sachez que c'est une grande faute parce qu'on a dit que pourtant il n'arrive pas à se dépolariser complètement. C'est-à-dire il n'arrive pas à annuler le P, le P là, hein. Il n'arrive jamais, hein. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut savoir que ce E0 en valeur absolue, il est toujours supérieur à E dû aux charges de polarisation. Et aussi, et c'est une chose très importante, et le sens de E0, eh bien, il est toujours différent du sens de EP. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le champ résultant à l'intérieur de notre diélectrique qu'on va tout simplement appeler E macroscopique. Après, on va comprendre pourquoi on utilise pour l'instant cette appellation de champ macroscopique. Ben, eh bien, tout simplement parce qu'il existe aussi un champ, hein, un champ microscopique en toute simplicité. Donc, à l'intérieur, on va avoir un champ macroscopique qui a quel sens? Eh bien, par raison de ce qu'on appelle par superposition, le principe de superposition, si je veux maintenant le champ à l'intérieur ici, en un certain point M, attention à l'intérieur, parce qu'en général, je ne connais pas, dans la plupart des cas, je ne connais pas E macroscopique à l'extérieur de notre diélectrique. Donc quand je parle de E macroscopique, je ne connais même pas EP à l'extérieur de notre diélectrique parce que EP, il est différent, EP de l'intérieur, il est différent de EP extérieur. Bon, ça en général, mais dans des cas très simples, on peut aussi déterminer le EP extérieur. Donc ici, du fait que ce E0, il est dirigé de cette façon-là, vous voyez le module, hein, le module combien il est grand? Eh bien, le E macroscopique, il doit être de cette façon. Ça qu'on va appeler E. Donc ça, c'est E macro. Qu'on va se mettre d'accord, on va l'appeler tout simplement E. Donc, par principe de superposition, il faut savoir que E, à l'intérieur du diélectrique, bon, c'est tout simplement isolant, bon, diélectrique, c'est un isolant, c'est ce E0, parce qu'on a dit quand même E0, il est défini en tout point M de l'espace, et plus spécialement encore à l'intérieur de notre diélectrique. Donc, on va faire E0. Et on va ajouter le EP. Donc sachez que si E0 il est comme ça, le EP il est comme ça, et le résultat il sera par exemple comme ça. Donc je vais ajouter cette remarque qui est intéressante. Bon, il faut savoir, remarque, le EP à l'extérieur, elle est inconnue. Elle est vraiment inconnue. Donc ça, c'est une remarque intéressante. Elle est très importante pour ne pas croire que EP intérieur, par exemple, est égal à EP extérieur ou quelque chose de ce genre. Eh bien, ça, on va appeler ce EPINT, mais on va se mettre d'accord que quand je dis EP, eh bien je parle de EP à l'intérieur. Mais quand même, dans des exercices, on vous demande de donner EP à l'intérieur et à l'extérieur de votre diélectrique. Donc,
Après, on va donner un certain modèle mathématique pour pouvoir déterminer le champ EP, qui est tout simplement le champ de polarisation.